Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes présentement en train de nous suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2023. Et nous allons refaire l'enseignement bonus sur 2024 que je vous avais promis parce que nous avons fait cet enseignement le lundi. Malheureusement, le lundi, lorsque je suis arrivé au bureau pour faire le montage, l'étude que nous avons faite le lundi, bien-aimé dans le Seigneur, a disparu de la machine. Ça a disparu. On a cherché, on a fouillé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvée. Alors, c'est un événement mystérieux. Que ce que la machine a eu à enregistrer, bien aimé, ça a disparu. Disparu. On a utilisé tous les logiciels possibles pour chercher à récupérer cela dans la machine au cas où ça pouvait être supprimé par erreur. Mais je vous assure, tous les logiciels utilisés ont ressorti. Tous les fichiers supprimés dans la machine. Mais le fichier du lundi ne s'est pas présenté. Voilà pourquoi je suis dans l'obligation, moi le docteur Véracité KTN, de montrer à Satan que même si il a fait disparaître l'émission bonus que nous avons faite, la première partie, il ne nous fera pas taire. Nous allons refaire l'émission aujourd'hui 20. Imaginez-vous, lundi, mardi, les 2 jours, nous étions là pour fouiller la dite émission dans la machine pendant 2 jours et aujourd'hui également. Troisième jour, on n'a pas retrouvé. Alors, nous allons refaire cette émission aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous invite, nous allons prier pour recommander cette séance entre les mains de Jésus, demander sa couverture à tout égard, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tendre Père fidèle, ami. Nous consacrons, Seigneur, ce moment d'étude prophétique entre tes saintes et puissantes mains, afin que, Seigneur, tout ce qui sera dit, révélé à ton peuple, au reste du monde, puisse amener les gens à ton salut. Que toute main invisible qui pourra perturber ce moment, tout esprit envoyé, Seigneur, pour voler nos fichiers, afin d'empêcher que la révélation que tu nous as donnée soit communiquée au monde entier. Seigneur, qu'il soit frappé par toi, au nom de Jésus. Oui, nous consacrons l'audition entre tes mains. Que le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles spirituelles pour que nous puissions saisir, Seigneur, la révélation de ce soir concernant ce bonus sur 2024. Oui, Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre séminaire Le chrétien face à 2024 depuis le mois de juillet 2023. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avons terminé avec cette émission au mois de décembre, précisément la semaine passée de décembre est la semaine au cours de laquelle nous avons mis fin à ce séminaire. Nous avons dit mettre fin à ce séminaire ne veut pas dire que nous n'allons plus parler sur 2024, non. Mais un séminaire est un séminaire. Donc, il fallait bien clore avec notre sujet sur le chrétien face à 2024. Pour cela, nous avons tout le long de juillet 2023 à décembre 2023, nous avons donné plusieurs événements, plusieurs données prophétiques qui seront l'avis de l'année 2024. Et à propos, nous avons rappelé que la révélation sur 2024, nous l'avons reçue au mois de février 2023. Que le Seigneur m'a personnellement donné. Et nous avons également dit, depuis 2022, que dans notre gibecière, le Seigneur Jésus nous avait donné la cartographie événementielle de 2023, de 2024, de 2025 et de 2026. Tout ça, nous allons vous expliquer. Et voilà, en 2022, précisément, à partir du 24 août 2022, nous avons en avance parlé sur les réalités qui allaient caractériser l'année 2023. Et je pense, ceux qui nous ont suivis ont constaté que tout ce que nous avons dit, c'est ce qui a été l'avis de 2023. Et ici, en 2023, je ferai précise encore, depuis juillet 2023, nous avons commencé à parler sur 2024 et nous en avons achevé. 2024 et le chrétien a été un séminaire réparti en quatre branches. Il y a eu la première partie avec ses sous-sections. Il y a eu la deuxième partie avec ses sous-sections également. La troisième partie également avec ses sous-chapitres. Et la quatrième partie aussi a eu ses différents sous-chapitres. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons vous parler le bonus de 2024. Et j'avais dit que le bonus de 2024, c'est l'élément déclencheur, sinon inaugurateur, qui va inaugurer l'année 2024. 24 et qui va également inaugurer l'année 2025. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce bonus. Donc, l'élément bonus que nous allons partager avec vous à propos de 2024, c'est un élément majeur. Nous en avons parlé dans notre première partie. Et cet élément, il s'agit de la modification des limites géographiques qui s'effectueront à travers le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube et chers membres du groupe Intercesseur du Ciel, rappelez-vous, dans la vision que le Seigneur nous a donnée à propos du démon, que le monde des ténèbres, le gouvernement de fer et de la main de fer a délégué pour gérer l'année 2024, le démon que nous avons appelé démon anonyme parce qu'il n'avait pas de nom. Pas parce qu'il n'a pas de nom, mais parce que le Seigneur ne nous a pas donné son nom. Ce démon
avait à sa disposition une fossile géante qu'il traînait derrière lui. En se baladant dans un désert, dans un lieu désertique, sablonneux. Et cette fossile géante traçait des sillons sur son passage. Et nous avons expliqué que les sillons que traçait cette fossile géante de ce démon prophétisait les modifications géographiques qui vont s'opérer sur la terre dans toutes les nations en vue de préparer de manière parfaite l'intronisation de l'homme impie, la bête apocalyptique, l'antichrist sur le trône de l'échiquier mondial. C'est-à-dire les modifications géographiques qui sont en train de s'opérer, et je vous avais dit que ces opérations-là, les bases de Satan contre 2024 vont commencer à être posées à partir des derniers mois de l'année 2023. Vous êtes une fois de plus témoin, si vous vous référez aux premières parties, lorsque nous sommes focalisés à parler sur le démon patronant l'année 2024. Alors, l'élément bonus, c'est la modification des limites géographiques. Bien-aimés dans le Seigneur, prêtez-moi votre aimable attention. Je fais encore un rappel à propos de 2023, pendant que j'étais en 2022, au mois d'août 2022, je vous ai dit que 2023, d'ailleurs, il y a eu toute une étude que nous avons fait, un séminaire, Le chrétien face à 2023. Nous avons expliqué là que l'année 2023, que nos regards soient focalisés sur l'Afrique. L'année 2023, les enjeux mondiaux dans le monde satanique devrait s'organiser autour de l'Afrique. Et là, j'ai développé, expliqué, révélé plusieurs choses secrètes sur le plan politique pour la destruction de nos nations, pour la destruction du monde. Donc, j'ai expliqué à propos plusieurs réalités et plusieurs choses. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais encore annoncé que à propos de l'année 2024, que nos regards soient tournés vers le Proche et le Moyen-Orient. Ça aussi, j'avais annoncé ça. J'avais annoncé ça. Que dans l'année 2024, les regards du monde des ténèbres seront focalisés en Asie. Cette fois-ci, au Proche et Moyen-Orient. Et j'avais dit les bases de ce qui va se produire en 2024 au Proche-Orient vont commencer, et j'avais même mentionné ça, comme j'avais appelé ça, si vous vous rappelez, par les mines, vont se déclencher vers la fin de l'année 2023.
L'actualité en est témoin. Et j'avais même ajouté de fortes précisions pour dire, l'année 2024, non seulement que les enjeux sataniques vont se jouer au Proche et Moyen-Orient, mais il y aura un autre élément qui sera utilisé par l'organisation satanique, le gouvernement de fer et de la main de fer. Et cette organisation, c'est l'élément en question qui sera utilisé, c'est Israël, les Juifs. Et là, j'ai développé plusieurs choses à propos sur les derniers chapitres de la première partie du chrétien face à 2024. J'ai insisté dessus qu'en 2024, tout se passera autour des Juifs, d'Israël, du Moyen et du Proche-Orient en Asie. Attention, attention avec 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans les rappels, je vous ai dit que Emmanuel Macron sera réélu. Lorsque je dis qu'Emmanuel Macron sera réélu, ça a créé une guerre entre moi et d'autres serviteurs de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu qui ont rempli YouTube, qui ont rempli les réseaux sociaux. En fin de compte, qu'est-ce qui a accompli? Les gens disent non. Les prophètes en question là, des réseaux sociaux là, les pasteurs que vous connaissez, qui ont prophétisé. Emmanuel Macron ne sera pas réélu, son mandat est mauvais, voilà, il n'a pas un bon bilan, les Français ne l'aiment pas, il ne sera pas voté. Je vous avais bien dit, ne suivez pas ce que disent ces prophètes parce que ce qu'ils racontent là n'a rien à voir avec l'ainsi dit l'Éternel des armées. Le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, Jésus. Parce que l'Emmanuel Macron sera réélu. Parce que le mandat d'Emmanuel Macron a un grand impact dans l'organisation des ténèbres. Car Macron doit accomplir la part de responsabilité qui lui a été donnée par le monde des ténèbres en vue d'accélérer les processus du nouvel ordre mondial. Alors dites-moi, lorsqu'il y a eu réélection en France, ou bien les élections en France, n'est-ce pas Emmanuel Macron qui a été réélu? Alors, où sont passés les prophètes qui avaient dit le contraire de ce que j'avais dit? En États-Unis, à propos des élections Trump-Biden, vous avez vu comment à travers le monde, il y a eu des prophètes qui sont sortis, des prophéties qui ont été données, même des émissions, des documentaires où les gens sont venus au nom de Jésus pour dire Donald Trump sera réélu, que Donald Trump va faire le deuxième mandat, que Joe Biden ne va pas passer. Vous avez vu comment est-ce que l'Internet, YouTube, les réseaux sociaux ont été inondés par ce genre de prophéties qui venaient de partout dans le monde, dans tous les quatre coins de la terre. On a eu des hommes de Dieu qui ont pris le courage de venir gardement dire que Donald Trump a été choisi par Dieu pour faire le deuxième mandat. C'est un envoyé de Dieu. Et moi, le docteur Véracité, j'ai été parmi les rares serviteurs qui ont dit que Donald Trump n'a jamais été un serviteur de Dieu, que tout ce que Donald Trump a fait n'avait rien à voir avec Dieu, rien à voir avec Jésus. Ce n'était que lui aussi n'était venu qu'accomplir sa part de responsabilité reçue dans le nouvel ordre mondial. Et je vous ai dit que Donald Trump ne passera pas, ne fera pas son deuxième mandat. Ce n'est pas lui qui sera voté. À sa place, c'est Biden qui sera voté. Je l'ai dit, vous en êtes témoin.
Alors, dites-moi, la foulée de ces prophéties qui sont sorties, disant le contraire de ce que j'avais dit. Alors, aujourd'hui, qui est président? Trump ou Biden? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec les choses prophétiques. Faisons attention avec les hommes de Dieu qui vous apportent les prophéties. Faisons très attention, frère. Parce que, pour vous le dire, j'ai parlé. Combien m'ont cru? Au contraire, lorsque j'ai dit ces choses, j'ai même été combattu, insulté. Mais ce que j'aime avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est fidèle. Moi, je suis venu, j'ai dit, Jésus m'a dit. Les autres prophètes là aussi qui m'ont combattu ont aussi dit que Jésus leur a dit. Mais en fin de compte, entre ce que leur Jésus leur avait dit et ce que mon Jésus avait dit, quel est le Jésus qui est menteur? N'est-ce pas leur Jésus? Mon Jésus avait dit que Trump ne passera pas. C'était Biden. Pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Nous sommes dans des mauvais jours. Les faux prophètes se lèveront pour égarer la multitude. Alors, attention. Je vous dis, je m'attendais peut-être que ces prophètes puissent encore repasser sur leur chair pour demander pardon pour leurs fausses prophéties, mais personne n'est venu se repentir. Voyez comment nous blasphémons le nom de Jésus en disant, en sonnant ce que lui ne nous a pas donné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais ouvrir notre texte par un verset de la Bible. Je vais ouvrir notre étude de ce soir par un verset de la Bible. Nous allons prendre Ésaïe 42. Ésaïe 42. Considérons le verset 9. Ésaïe 42, le verset 9. Nous allons lire la parole du Seigneur avec la version David Martin, qui est l'une des versions bibliques qui ont traduit fidèlement la Bible à 98%, contrairement à notre ex-frère Louis Segan. Alors, voici ce que le Seigneur Dieu déclare dans Ésaïe 42, le verset 9. Il dit, voici les choses qui ont été prédites auparavant sont arrivées, et je vous en annonce de nouvelles, et je vous les ferai entendre avant qu'elles soient arrivées. Je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. Ésaïe 42, le verset 9. Voici, les choses qui ont été prédites auparavant sont arrivées. Et je vous en annonce de nouvelles, et je vous les ferai entendre avant qu'elles soient arrivées. Bien-aimé, ce texte est révélateur. Dans ce texte, le Seigneur informe au peuple que autrefois, dans le passé, il y a eu des choses que lui, l'Éternel Dieu Jésus, avait annoncées. Mais qui n'était pas encore arrivé pendant que ces choses étaient annoncées. Mais au final, ces choses annoncées, prédites, ont fini par se réaliser. Et il dit, au-delà de ce qui s'est réalisé, moi Dieu, je veux encore vous annoncer des nouvelles choses aujourd'hui concernant le futur. Et j'ai compris, et vous également, vous allez le comprendre avec moi, que lorsque le Seigneur mandate les gens, comme il me l'a dit en septembre 2000, je crois en septembre 2022,
que lorsqu'il mandate quelqu'un sur la terre pour que la personne soit son messager, la personne soit son porte-parole sur la terre, dans un domaine donné, nous devons savoir que le messager doit remplir son ministère, son travail, comme il se doit. Ainsi, moi aussi, dans Ésaïe 21, le verset 11 à 12, je vous l'ai expliqué depuis 2022, ce passage, d'après ce que le Seigneur m'a dit, fait aussi partie des responsabilités que lui, Jésus, m'a données concernant les mystères du temps. J'en ai suffisamment parlé. Tout mandaté du Seigneur Jésus, les vrais, je dis bien, les vrais envoyés de Jésus, sont là pour accomplir la part de leurs responsabilités. Et parmi mes responsabilités spirituelles, le Seigneur m'a donné la responsabilité de parler sur les mystères du temps. Et c'est ce que je ne cesse de faire depuis un certain temps, déjà depuis 2000. Décembre, non, novembre 2021, que j'ai commencé à parler sur les mystères du temps. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, chers abonnés YouTube et membres de mon groupe Intercesseurs du Ciel, nous allons rentrer en profondeur de notre étude bonus 2024 sur les limites géographiques qui seront imposées sur toute la terre par le gouvernement de fer et de la main de fer. Alors, nous parlons de deux mots, limites et géographique. Or, le mot limite vient du mot latin limitis ou limes, qui signifie chemin ou un chantier bordant un domaine. Je répète, le mot limite vient du latin limitis ou limes, qui veut dire un chemin, un chantier, une voie qui borde un domaine ou une localité donnée. Autrement dit, lorsqu'on parle d'une limite en matière territoriale, il s'agit soit d'une frontière ou d'une localité ou d'un lieu qui crée une séparation entre deux territoires. Ainsi, par là, nous comprenons que les limites territoriales sont l'ensemble ou une opération qui consiste à exercer un pouvoir dont la base ou le fondement est le travail. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une limite territoriale, automatiquement, nous voyons là la manifestation ou l'exercice d'un pouvoir qui utilise un instrument que nous appelons le travail pour pouvoir atteindre ses objectifs. Autrement dit, les limites territoriales, c'est quoi? C'est un pouvoir ou une capacité de transformer un environnement
sociale, physique ou spirituelle. Je répète encore, lorsque nous parlons d'une limite ou des limites territoriales, il s'agit d'un pouvoir manifesté en vue de transformer un environnement donné, soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Attention, soulignez-moi ça. Une limite territoriale est la manifestation de l'exercice d'un pouvoir dans le fondement où le cheval de Troie est le travail, sa capacité de transformer une région, un lieu, une étendue de terre donnée. Voilà en ce qui concerne la signification du mot limite en latin. Le deuxième mot de notre expression limite géographique, c'est le mot géographique. Le mot géographique ici est un adjectif créé à partir d'un mot que nous connaissons tous vraiment bien, le mot géographie. Ainsi, c'est quoi donc la géographie? La géographie, bien-aimée dans le Seigneur Jésus-Christ, est un mot grec et latin. La géographie est un mot grec. Le mot géographie vient du grec et du latin, qui signifie écriture de la terre. Donc, lorsque nous parlons de la géographie, pour les Grecs et les Romains, ça veut simplement dire que nous sommes en train de parler de l'écriture de la terre. Soulignez-moi cette phrase. Ce qui revient à dire ici que lorsque je suis en train de parler des modifications des limites géographiques à travers le monde, nous voulons prophétiquement parler de la modification de l'écriture de la terre, c'est-à-dire de la modification, sinon du changement radical de sa configuration. Ce qui nous amène déjà à prendre conscience, parce que la modification des limites géographiques des nations du monde entier est l'instrument parmi tant d'autres de base que Satan et son organisation vont utiliser pour pouvoir inaugurer comment je dirais ça, l'introduction de 2024 dans le cheminement des années. Et comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes éléments, la modification des limites géographiques qui va aussi introduire dans la scène mondiale l'année 2025. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez développer une forte sensibilité spirituelle avec le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir être capable, comme disait Jésus, d'être prudent comme le serpent. Parce que si le monde des ténèbres
met au point la stratégie pour modifier la cartographie de nos pays, de nos nations, de nos villes, de nos provinces, de nos régions et autres. Comprenez que cela vise un objectif bien précis. Pas pour votre avantage, non. Pas pour favoriser vos commerces, non. Ça n'a rien à voir avec ça. L'objectif est plus obscur que ce que vous ne pouvez imaginer, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, nous avons dit que pour modifier l'écriture de la terre, il faudrait se servir d'un pouvoir de transformation. C'est-à-dire, ce pouvoir de transformation, c'est une action qui doit être posée. Et l'action qui doit être posée est appelée le travail. Attention. Or, la modification des limites géographiques d'un territoire ou d'une localité s'effectue au moyen des alliances et des accords politiques. La modification des limites géographiques d'une localité ou d'un territoire s'effectue au moyen des accords et des alliances politiques. Attention. Or, chaque alliance ou accord bien-aimé dans le Seigneur cache un plan d'action donnée, cache une feuille de route donnée. Ainsi, le plan ou la feuille de route en question est le moyen par lequel s'exprime une idéologie. Parce que, politiquement parlant, lorsque nous parlons de la modification des limites géographiques ou encore des alliances et des accords, politiquement, il est question de faire exprimer une idéologie donnée. Or, lorsque nous parlons d'idéologie, nous voyons le mot idée, une idée, c'est-à-dire l'idéologie poursuit un idéal, c'est-à-dire une idée. Ainsi, lorsque nous voyons une idée, nous voyons une conception. Autrement dit, lorsque nous évoquons une idée promue, une idée qui doit constituer tout un plan, qui doit être l'objet d'une idéologie donnée, cette idée-là, bien-aimé dans le Seigneur, devient une programmation qui doit être réalisée sous nos yeux, autrement dit, sous les yeux des peuples qui seront, entre guillemets, les bénéficiaires de ces alliances ou accords politiques visant la modification de leurs limites géographiques. Or, nous avons dit que géographie, c'est l'écriture de la terre. Modifier les limites géographiques d'un territoire veut dire que c'est toute une configuration de la terre qui est en train d'être réécrite par l'organisation des ténèbres. Attention. Cela nous invite à comprendre que, bien-aimé, que 2024 est une année au cours de laquelle les esprits démoniaques, les anges déchus, le monde satanique de l'air, en connivence avec le monde satanique des eaux, ils vont tout faire pour pouvoir emballoter les populations du monde, les habitants de chaque pays à pouvoir approuver, à pouvoir
accepter la modification de leur territoire pour pouvoir faciliter un passage, le passage au travers duquel seront transités, seront transportés, bien-aimés dans le Seigneur, tous les éléments qui concourent à la concrétisation ou aux finitions définitives du nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que la préparation du gouvernement de l'Antichrist physiquement sur terre. Or, si la géographie, c'est l'écriture de la terre, comprenez une chose, bien-aimé, que Satan veut corriger Dieu. Pourquoi? Simplement parce que dans le livre de la Genèse, la Bible nous précise, au commencement, la terre était informe et vide. Là, il y a plusieurs théories que les prédicateurs de l'Évangile, certains prédicateurs de l'Évangile, certaines écoles bibliques, certaines théologies qui inventent. Or, lorsqu'on parle de tohu bouhu, ce qui est traduit par informe et vide, lorsque nous lisons le texte dans son originalité en hébreu, on a une précision remarquable qui nous invite à comprendre que au commencement, ce que nous appelons l'univers n'était constitué que de fortes chaleurs et du feu. Il n'y avait pas de forme. Il n'y avait ni de contenu vivant dans cette masse d'eau appelée abîme qui était là, sinon que des sources de chaleur qui se dégageaient de partout, mais il n'y avait rien de vie, aucun être vivant, que ce soit au niveau animal ou au niveau humain ou au niveau végétal, il n'y avait rien. Ce n'est que lorsque Dieu a commencé à se mouvoir sur les eaux qui étaient là, que la mouvance de Dieu sur ces eaux commençait à donner à ces grandes eaux certaines formes. Et c'est à partir de ces différentes formes ou figures que l'intensité de la chaleur que dégageait l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux produisait ces différents mouvements ou ondulations des eaux, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur a commencé à donner à la terre qui n'avait aucune forme précise, à la terre qui n'avait aucune vie en elle, une certaine configuration pour qu'elle ait désormais une forme, pour qu'elle ait désormais une écriture. C'est-à-dire pour qu'elle puisse avoir une configuration qui va rappeler le sceau de Dieu sur elle, afin que chaque fois que chaque être humain, lorsqu'il verra la terre, qu'il puisse se souvenir de la marque de Dieu, de l'empreinte de Dieu sur sa création. Attention, pour dire ici que les limites géographiques, bien-aimés, de la Terre ont été, il y a bien longtemps, avant même que l'homme ne vienne sur la Terre, déjà tracées par l'Éternel, notre Dieu. Et lorsque l'homme est venu sur la Terre, la Bible déclare, c'est Dieu qui le dit dans Deutéronome 32, le verset 8 à 10. Dieu nous précise un élément remarquable. Nous allons lire ce que l'Éternel notre Dieu déclare dans ce livre de Deutéronome 32, le verset 8 au verset 10. Je vais lire avec ma version
David Martin. Je ne lirai pas ce soir avec notre bien-aimé Louis Segond, notre ex-frère. Alors, Deutéronome 32, le verset 8 jusqu'au verset 10, nous déclare ceci. Lisons la parole du Seigneur. Quand le souverain, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, partageait les nations, soulignez-moi cette phrase, quand le souverain partageait les nations, quand il séparait les enfants des hommes les uns des autres, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Soulignez-moi cette phrase. Je reprends le verset 8. Deutéronome 2, le verset 8. Ouvrez, Deutéronome plutôt 32, le verset 8. Ouvrez largement votre entendement physique et spirituel. Comprenez ce que le Seigneur Jésus déclare dans ce passage qui doit nous interpeller tous, surtout en 2024. Il dit, quand le souverain partageait les nations, vous vous imaginez? Donc Dieu, en insérant les humains, les nations sur la terre, Dieu avait déjà un plan pour l'écriture de leur terre. Dieu avait déjà un plan, une feuille de route pour eux, en vertu d'Ésaïe 45, le verset 18, où Dieu dit qu'il a donné la terre comme héritage aux hommes. Et David maintenant nous précise que Dieu, dans sa programmation, avait établi un partage de la terre avec les nations. C'est-à-dire les peuples, nous, les humains, qui devraient habiter la terre. Et on dit, quand il séparait les enfants des hommes les uns des autres, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Frère, c'est grave, hein? Donc, la configuration terrestre, la configuration de la terre, en termes de territoire géographique, bien-aimé, a été établi en fonction du nombre des enfants d'Israël. Réfléchissons encore. Donc, l'écriture que le Seigneur Jésus a configurée pour que la terre ait une forme, c'est le nombre des enfants d'Israël. Autrement dit, lorsque nous voyons d'après Dieu, les limites géographiques de la terre, chaque limite devait nous rappeler un chiffre ou un nombre des enfants d'Israël. Continuons la lecture. Pourquoi Dieu a-t-il pris le peuple d'Israël, le nombre des enfants d'Israël, comme modèle de ses limites géographiques célestes? La Bible dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, et Jacob est le lot de son héritage. Verset 10. Il l'a trouvé dans un pays de désert et dans un lieu hideux où il n'y avait que hurlement de désolation. Il l'a conduit par des détours, il l'a dirigé et l'a gardé comme la prunelle de son œil. Amen. Vous comprenez ici, comme je vous ai dit, 2024 au ciel est configuré dans l'emblème du livre d'Exode. Nous avons longuement parlé du nombre des enfants d'Israël. Alors, on comprend que la configuration des limites géographiques de la terre doivent dépendre de la vision de Dieu pour les enfants d'Israël. Voilà pourquoi je comprends maintenant pourquoi le royaume des cieux est appelé du nom aussi de la terre ou du territoire appartenant
aux enfants d'Israël, on appelle ça la Jérusalem céleste. Et je comprends aussi pourquoi les portes du royaume des cieux sont 12 portes, et ces 12 portes portent sur elles le nom des nombres des enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël étaient configurés dans le nombre 12. Autrement dit, aux yeux de Dieu, nous devions avoir, en termes normaux, le monde devait être divisé en 12 parties, reflétant les 12 enfants d'Israël. Israël ici, c'est Jacob. N'est-ce pas? Alors, faisons attention. Je dis, faisons énormément attention. Le nombre 12. Qui a divisé l'année en 12 mois? Cela doit vous interpeller, hein? L'année a été divisée en 12 mois. Et chaque être humain qui naît, il naît sous un mois donné. Donc, les habitants de la terre, nous sommes répartis. Notre existence est répartie selon les 12 mois de l'année. Église, faisons attention avec 2024. Maintenant, réfléchissons un seul instant. Donc, Dieu nous informe depuis le départ que la cartographie qu'il a donnée à la terre, c'est une cartographie qui doit refléter le royaume des cieux. On doit retrouver les 12 compartiments. Mais si Satan prend la décision de faire à son tour la modification de cette écriture de la terre, comprenez que Satan va amener une autre maquette de l'écriture de la terre qui n'aura rien à voir avec celle du royaume des cieux. Autrement dit, on va nous amener à une réalité qui devrait nous interpeller. Le nombre des enfants d'Israël était 12. Attention. Mais Satan va modifier le nombre. Ce qui veut dire, à la place de 12, on va retrouver un autre nombre qui ne correspondrait pas au nombre 12 des enfants d'Israël. Attention, Église. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse avait informé, a prophétisé. Et cela, pas seulement dans l'Apocalypse de Jean, mais également par le prophète Daniel a annoncé que, au temps du règne de l'Antichrist, au règne de l'Antichrist, la terre entière sera gérée par 10 gouverneurs, encore appelés dans l'Apocalypse par 10 rois, que le prophète Daniel appelle par les 10 orteils de la statue vue par le roi babylonien dans Daniel 2. Attention, Église. Satan va nous retirer du nombre 12, qui est le nombre reflétant les limites de Dieu sur la terre, pour nous conduire au nombre 10. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis aux gens, attention avec 2024. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que en 2024, Satan, déjà ça avait commencé comme je vous l'avais annoncé, Satan va donner à la terre une écriture au goût du monde des ténèbres. Et cela, pour quelle cause? Simplement pour conduire ou converger les nations à l'acceptation du nouvel ordre mondial. Et comment Satan va-t-il modifier
cette écriture de la terre. Lorsqu'on parle d'écriture de la terre, vous comprenez que c'est une main qui a écrit. Or, la première écriture a été faite par Dieu. Dieu a écrit. Dieu a conçu un plan architectural pour la terre. Et Satan aussi va utiliser une main pour faire. Et dans les premières parties de notre étude, Le chrétien face à 2024, nous avons dit que 2024 sera géré par le monde satanique de l'air. Autrement dit, le gouvernement de Satan qui est appelé le gouvernement de fer et de la main de fer. On a tout expliqué. Cette main de fer, c'est qui et c'est quoi? Nous avons tout expliqué. Pour vous dire que comme c'est le fer, on va utiliser également le fer comme écritoire pour modifier ses limites. Autrement dit, ses limites seront modifiées par force. On ne va pas s'inquiéter des populations, on va modifier les limites contre la volonté du peuple, contre la volonté des habitants, contre la volonté des autochtones. Bien-aimés, ça sera terrible. Voyez-vous? Et tout cela pour vous faire croire que c'est pour votre bien. Comme j'avais dit, que la modification des limites va se manifester sur le plan physique. Mais on va amener la plupart des humains qui ne sont à ne rien voir. Vous allez voir que le Congo et la Chine sera un seul pays. Mais physiquement, avec les yeux humains, vous verrez que ce n'est pas un seul pays. Mais spirituellement, tous les agents de Satan verront que c'est un seul pays. Aujourd'hui, le Rwanda et le Congo-Brazzaville sont devenus un seul pays. Mais les gens ne continuent toujours pas à voir. Les gens continuent à rêver. Voyez-vous, aujourd'hui, la Corée du Nord et la Russie sont devenus un seul pays. Église, faisons attention. Aujourd'hui, la Chine et la Corée du Nord sont devenus un seul pays. Aujourd'hui, Corée du Nord, plus la Chine, plus la Russie forment un seul pays. Ça ne vous interpelle pas? Bien-aimés, faisons attention. Ce n'est plus le temps de dormir spirituellement. C'est le temps d'être, de se réveiller et de se maintenir en état de veille. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mais pourquoi Satan et ses anges déchus se préoccupent-ils ainsi des territoires? Pourtant, nous savons tous que la cible ou les cibles de Satan, ce sont des hommes, ce sont des habitants, ce sont des peuples, ce sont des familles. Mais curieusement, en 2024, Satan semble changer de cible. Au lieu de s'attaquer aux habitants, mais lui s'attaque au territoire. Pourquoi? Cela doit nous interpeller. Parce que Satan sait que s'il s'accapare de votre territoire, automatiquement, que vous le voulez ou pas, vous lui serez soumis. Parce que votre territoire est le secret de votre existence. Le territoire où toi tu habites, la localité où toi tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la survie de ton futur. Parce que c'est ce territoire-là, c'est cette portion de terre-là qui contient les ressources pour ton avenir, qui contient les richesses pour ta prospérité. Mais si Satan a la même mise sur ces ressources-là, ça veut dire, bien-aimé, c'est toute la vie des habitants de ce lieu qui sont dominés, qui sont braqués, qui sont pris en otage par le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Satan va se servir de la modification des limites géographiques de nos pays, de nos territoires, de nos villes, afin de nous convertir en des esclaves du monde des ténèbres
pour mieux nous ruiner. Voyez-vous, car ton territoire est ta base vitale. Vous allez comprendre pourquoi Jésus, dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, lorsqu'il commissionne ses disciples en les envoyant à travers le monde entier, Jésus leur a dit non pas d'aller évangéliser des territoires, mais d'aller évangéliser les habitants des territoires du monde. Frère, attention. Satan fait l'inverse. Au lieu de s'occuper des habitants, lui va s'occuper des territoires. Mais Jésus comprend que lui, Jésus, notre Dieu, il n'a pas besoin des territoires. Lui, il a besoin des habitants du territoire. Pourquoi? Parce que il a compris que le fait que la terre qu'il avait donnée comme héritage aux hommes est pris en otage. Les propriétaires de la terre qui sont les humains sont devenus des étrangers sur leur propre sol. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. D'ailleurs, Satan a dit à Jésus dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Que les royaumes de la terre lui a été donné, y compris leurs richesses, leur gloire, leurs ressources lui ont été données. Bon, lorsqu'on demande à Satan par qui, il est incapable de nous répondre parce que c'est un menteur. Donc, c'est un usurpateur des droits du sol. Alors, Dieu nous réserve une meilleure cité qui est la Jérusalem céleste. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, versets 1 à 3, je m'en vais au Père. Vous préparez une place. Parce que là-bas, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs espaces vitaux pour tout le monde. Oh, bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Parce que pendant que Satan va coloniser la terre pour priver les gens d'espace vital, sache qu'au ciel, il y aura plusieurs espaces libres. Ta place aussi y est. Fais-toi violence de conserver la sainteté en Christ, de garder intacte l'alliance avec Jésus, le véritable Dieu et sauveur de ton âme, pour que tu puisses avoir part à cet héritage céleste. Jésus n'a pas besoin de nos pays, frères. Il a besoin des habitants de nos pays. Car lui, il est venu mourir, pas pour les pays, pas pour nos villes. Non, pas pour ton quartier, non. Pas pour ta région, pas pour ta province, non. Pas pour ta commune, non. Pas pour ta préfecture, non. Mais Jésus est venu mourir, c'est pour les hommes. C'est pourquoi il n'a pas dit « Faites des territoires, mes disciples ». Non, mais « Faites des nations ». Il parle des nations en termes d'hommes. En termes de population, pas en termes de sol, pas en termes de territoire. Ah non, c'est pourquoi il dit allez partout dans le monde. Allez-y, convertir les populations en mes disciples. Laissez Satan convertir les territoires en des disciples de Satan. Mais nous avons besoin des âmes. Pour nous dire, Église, faisons attention avec 2024. Le sol sera braqué par des démons pour rendre la vie des gens difficile. Et ça avait déjà commencé, j'avais annoncé que pendant les derniers mois de décembre, plutôt dans les derniers mois de 2023, vous allez constater déjà les mises en place de ces stratégies-là. Vous en êtes témoin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez comprendre encore un autre mystère. Repartons en Égypte. Lorsque Dieu va constater que Israël sera menacé en Égypte. Mais qu'est-ce qui poussa Pharaon à vouloir nuire au peuple hébreu en Égypte? C'est simplement la question du territoire.
Pharaon a dit que le peuple occupait son territoire. Ah, Pharaon dit non, je ne peux pas permettre au peuple étranger d'occuper mon territoire. Donc la seule manière de ravir à Israël les territoires qui leur ont été donnés comme espace vital en Égypte, Goshen, c'était simplement de les amener à être des esclaves. Et lorsque Dieu se révèle à Israël, envoie Moïse leur libérer de cette captivité. Quel était le message de Dieu? Amener le peuple où? Dans leur territoire qui leur revenait. Autrement dit, ramener le peuple dans leur pays véritable qu'ils avaient abandonné, Shichem. Autrement dit, Canaan. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu va donc, en ramenant Israël dans son territoire, Dieu va redonner en même temps au peuple juif, au peuple hébreu, l'autorité sur le temps. Attention, Église. Voilà pourquoi dans Exode 12, versets 1 à 2, Dieu dit quoi au peuple? Dieu leur dit, vous allez inaugurer la Pâque. Et à partir de la Pâque sera le signe qui va modifier le cours du temps. Il leur dira, ce mois-ci sera pour vous mon peuple, un nouveau mois. Le commencement des mois de l'année. Alors qu'en Égypte, Nissan n'était pas le premier mois de l'année. Mais Dieu modifie les choses, remet les choses en ordre. Parce qu'il avait compris que l'héritage territorial marche de pair avec le mystère du temps. Attention, Église. Voilà pourquoi Israël, pour reconquérir son territoire, qui était également pris, captivé par les étrangers, les nations que nous connaissons, les Cananéens, les Éthiens, les Phéréziens, les Philistins, bien aimés, il avait également non seulement perdu le territoire, mais perdu aussi le temps qui lui a été donné. Autrement dit, les promesses qui lui étaient données. Alors, puisque Dieu voulait leur restituer leur territoire, il était impératif que Dieu puisse aussi leur restituer le temps qu'ils avaient perdu afin de reconquérir en même temps les promesses que lui, l'Éternel, avait données à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, 2024, cherche à reconquérir le territoire qui t'a été donné, c'est-à-dire le royaume des cieux. Mais pour bénéficier du royaume des cieux, il va te falloir une clé. C'est quoi? Récupérer le temps qui t'a été volé. Parce que l'apôtre Paul disait dans Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, attention. 2024 sera une année de mauvais jours. Mais nous qui sommes de l'Église, nous qui appartenons à Jésus, cherchons seulement le temps du salut et notre territoire, Jérusalem, le royaume des cieux, nous sera restitué. Attention avec la modification des limites géographiques. Alors, bien-aimés, nous avons dit depuis 2022 concernant la guerre entre Russie et Ukraine que c'était une diversion. Que pendant que le monde entier était obligé, condamné à avoir les regards focalisés sur cette crise, cette soi-disant crise, derrière eux, le monde des ténèbres, en partenariat avec les politiciens véreux de ce monde, étaient en train de mettre en place leur plan. Depuis, nous avons expliqué ces choses. Alors, je vous avais dit
Là aussi, j'ai eu des conflits avec les prophètes, les hommes de Dieu, hein, comme on dit, les vendeurs de prophéties, surtout sur Internet, qui sont venus dire, cette guerre va finir en 2022. Cette guerre, on a raconté, je vous ai dit, cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens ne prendra pas fin en 2022. J'ai dit, ça va continuer parce que cette guerre fait partie des mines, des bases qui vont servir Satan dans les années futures. Je vous l'ai dit en détail, je vous ai expliqué ça. Voyez-vous? Donc, la guerre russe-Ukraine n'était qu'une diversion et ça fait partie des points, des piliers qui vont aider le monde de ténèbres à finaliser le nouvel ordre mondial. Je rappelle, nous sommes en train de parler sur le bonus 2024 que je vous avais promis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette guerre a-t-elle pris fin en 2022? Tel que les prophètes, la plupart des hommes de Dieu sur Internet l'avaient annoncé sur les réseaux sociaux et dans leurs églises. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue, non? Pour vous dire, faites attention avec les prophéties. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore ici que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité d'aller au-delà des apparences, la capacité de sonder les Écritures et la réalité qui est devant vous. C'est-à-dire l'intelligence renouvelée de comprendre les prophéties de la Bible et les événements mondiaux. Nous allons ouvrir des mystères dans cette guerre russe-Ukraine. Bien-aimé dans le Seigneur, que veut dire le mot Ukraine? Ukraine, ça veut dire quoi? En ukrainien, Ukraine veut dire une ligne. Je dis en ukrainien, le mot Ukraine veut dire une ligne qui sert à délimiter quelque chose. Je répète, Ukraine veut dire une ligne qui a pour mission de délimiter quelque chose. Autrement dit, l'Ukraine est une règle qui fixe les limites d'un territoire donné. Et nous avons dit, là où on marque une certaine délimitation, c'est pour 1. Priver un autre territoire d'une partie ou de s'étendre ou de s'élargir pour favoriser un autre territoire à s'étendre. C'est-à-dire, l'élément, une délimitation bloque un territoire donné pour favoriser un autre territoire. C'est-à-dire, c'est une ligne qui vient pour défavoriser une localité donnée afin de défavoriser une autre. C'est-à-dire, elle favorise une localité pour dévaloriser une autre. Retenez-moi ça. Nous parlons de l'Ukraine. Mais que veut dire Russie? Retenez bien, nous parlons de l'Ukraine. Ainsi, toujours en ukrainien, ce mot Ukraine qui veut dire une délimitation, une ligne qui délimite quelque chose est appelée, on explique ça, il reformule ça pour dire
Ukraine veut simplement dire une marche. Autrement dit, une voie, un chemin. Attention. Ukraine, qui est une ligne qui marque une limite donnée, veut dire toujours, en ukrainien, ça veut dire une frontière ou une marche ou un chemin ou une voie. Parlons du passage. Alors, que veut donc dire le mot Russie? Le mot Russie veut dire la couleur rouge. C'est ce que veut dire le mot Russie, qui veut dire couleur rouge. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, suivez la prophétie de la Bible. Comme j'ai toujours dit, la Bible a tout dit, mais la Bible n'a pas tout dit. Donc, lorsque nous parlons, nous évoquons, nous faisons mention de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, madame, comment on écrit ça? La guerre entre Ukraine et Russie. Comment on écrit ça? Si on, lorsqu'on dit on veut écrire ça dans un tableau, comment on écrit ça? Non, on écrit Russie, trait d'union, Ukraine. Si on veut écrire la guerre, pour dire la guerre russo-Ukraine ou russe-Ukraine, on écrit Russie, trait d'union, Ukraine. Pour présenter le conflit. N'est-ce pas? Mais si Russie veut dire couleur rouge, et Ukraine veut dire chemin. Donc, si nous remplaçons les éléments par leur valeur, on va donc dire que on aura rouge, le trait qui indique une direction, et Ukraine qui veut dire chemin. Donc, la guerre russe-Ukraine, c'est un message prophétique que le monde des ténèbres a lancé à travers le monde entier pour sensibiliser leurs agents en ce qui concerne l'accélération du nouvel ordre mondial. Et le message prophétique guerre Russie-Ukraine veut dire quoi? Ça veut dire la marche, ça veut dire l'intronisme, autrement dit, étymologiquement, on aura la couleur rouge qui est orientée vers un passage. Si on le reformule correctement, donc la guerre russe-Ukraine veut dire simplement la marche de la couleur rouge. Attention, soulignez-moi ça. Guerre Russie-Ukraine veut dire la marche de la couleur rouge. Mais la couleur rouge est en train de marcher pour aller où? Parce que si Ukraine est un passage, ça veut dire que l'Ukraine doit emmener la Russie à atteindre un endroit, à arriver à un certain point fixe donné. Autrement dit, l'Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est que une diversion parce que l'Ukraine est un pont qui a été établi par le monde des ténèbres pour permettre à la Russie d'arriver quelque part. Physiquement, l'Ukraine semble bloquée, empêcher l'extension de la Russie. Mais je vous ai dit, de l'autre côté, la même Ukraine favorise aussi la montée ou l'extension d'un autre pays. Donc voilà pourquoi c'est une diversion. Parce que le même physiquement, on nous donne l'impression que l'Ukraine empêche la Russie de s'étendre. Or, spirituellement, l'Ukraine ne l'empêche pas n'empêche pas la Russie de s'étendre, mais au contraire, favorise cette extension de la Russie. C'est pas fini. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai appris que l'Ukraine vient d'adhérer à l'Union
européenne, vient d'adhérer, c'est-à-dire de faire son adhésion à l'Union européenne. Oh, j'aime la Bible et j'adore Jésus. Savez-vous que cet événement de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne avait été prophétisé dans la Bible? Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi je vous ai dit, cette guerre-là, c'est une base importante pour les finitions du nouvel ordre mondial, afin d'introduire officiellement et physiquement l'antichrist, longtemps parlé, longtemps évoqué sur la scène mondiale. Et il est dit que il y a quelqu'un, une nation représentée par quelqu'un qui a favorisé cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et cette nation, c'est l'Hongrie, représentée par son premier ministre, Monsieur Viktor Orban. Je répète, cette nation qui a favorisé l'Ukraine à adhérer à l'Union européenne, c'est l'Hongrie, ou l'Hongrie, représentée par son premier ministre, Monsieur Viktor Orban. N'est-ce pas? Alors, voilà ce que la Bible va nous expliquer. Posons-nous la question. Le peuple hongrois, le peuple de l'Hongrie, le peuple hongrois, envoie son premier ministre pour favoriser l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Comment? Je vais vous expliquer. On dit Viktor Orban. Or, Viktor veut dire, le nom Viktor, ça veut dire vainqueur. Le nom Viktor veut dire vainqueur. Et Orban, ça veut dire, dans la langue hongroise, ça veut dire serviteur. Ok? Viktor veut dire, dans la langue hongroise, vainqueur. Orban veut dire serviteur. Maintenant, Viktor Orban, ça veut dire un serviteur vainqueur ou encore un vainqueur serviteur. Autrement dit, un vainqueur qui est au service d'eux. Et cela doit nous interpeller. Cela doit beaucoup nous... Bonsoir. Cela doit beaucoup nous interpeller. Pourquoi? Parce que ces événements qui se déroulent sont également bibliques, sont également prophétiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'un serviteur, on parle de quelqu'un qui est au service d'eux. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que l'événement politique nous a informé que pour que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne, étant donné que les pays membres de l'Union européenne étaient au nombre de 27, il a fallu donc qu'il y ait un vote. Or, pour que ce vote puisse s'effectuer, il a fallu que tous les 27 pays membres de l'Union européenne puissent voter à l'unanimité un oui. Et s'il y a eu vote d'un oui, ça veut dire que l'Ukraine aura la facilité et la liberté d'adhérer à l'Union européenne. Or, l'un de ces pays-là, parmi les 27 pays, il y a eu un pays, l'Hongrie, qui refusait, qui ne voulait pas du tout que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Alors, pour favoriser l'Ukraine à cette adhésion, le jour des votes, parce que si lui devait voter non,
l'Ukraine n'allait pas être acceptée dans l'Union européenne. Donc, c'était un vote 26 contre 1. Alors que pour la validité, il fallait que les 27 votent. Alors, qu'est-ce que Viktor Orban va faire? Viktor Orban, pendant le vote, il va utiliser la politique de la chaise vide. Il va sortir de la salle. Et en sortant de la salle, il va rester que 26. Et les 26 vont voter à l'unanimité cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et on a dit que Victor, c'était un veut dire vainqueur et serviteur. Donc, vous comprenez que la signification du nom de l'individu là va de pair avec l'action qu'il a accomplie. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce au fait qu'il a laissé aux autres, il a favorisé les autres, que les autres ont gagné. Donc, c'est un vainqueur. Et le succès lui revient de droit. C'est un vainqueur. Et comme il est vainqueur, le succès lui revient de droit en tant que vainqueur. Comme il est vainqueur, on lui donne, il s'appelle Victor, pas pour rien. C'est un vainqueur, il a triomphé. Donc, l'action qu'il a faite de sortir de la salle a donné la victoire. Donc, c'est lui le héros. Mais d'un côté, il s'appelle Orban. Ça veut dire que c'est un serviteur. Mais il a servi qui? Il a servi les 26 autres nations de l'Union européenne, à faire quoi? À voter, parce que sa présence ne permettait pas qu'il y ait le vote. Mais comme lui, il s'est absenté, ça a permis que les 26 puissent voter un oui. Attention avec 2024. Et nous avons dit, l'événement de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne avait été prophétisé dans la Bible. Alors, nous allons donc exploiter la Bible pour comprendre ces choses-là. Nous connaissons tous dans la Bible un événement dans la vie de Jésus. Et cet événement de la vie de Jésus, nous nous retrouvons devant quelqu'un. Et cette personne, devant lui, il s'est retrouvé avec des Jésus. Madame, comment s'appelait la personne qui s'est retrouvé devant les deux Jésus devant lui? Pilate. Exact. Alors, l'individu Pilate, nous connaissons l'histoire, se retrouve en face de lui. Pilate se retrouve avec deux Jésus. Pilate se retrouve devant deux Jésus devant lui. Alors, comme il a deux Jésus devant lui, le premier Jésus qui se retrouve devant lui et on lui demande en tant que tel de faire un choix entre les deux Jésus. Le choix que Pilate doit faire entre les deux Jésus. Madame, tu connais qu'il y avait deux Jésus, non? Devant Pilate. Oui. Bien. Il y a l'autre Jésus, c'est l'individu qu'on a appelé Barabbas. Et il s'appelait Jésus. Je sais que vous allez suivre, vous allez vous poser la question comment Barabbas s'appelait Jésus. Il faut bien lire la Bible. Barabbas s'appelait Jésus. Parce que lorsque vous lisez la Bible, déjà, vous allez voir que dans la Bible, si vous avez Matthieu 27, le verset 16, on nous dit un élément là-bas. On nous dit que il y avait un prisonnier là-bas. Bon, on va essayer de lire. On va lire avec notre exprès, lui c'est grand. C'est que lui c'est grand dit, notre exprès. Matthieu 27, verset 16. On dit, ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Le mot fameux, ici, bon, quand on l'a traduit ici par fameux, en grec, c'est pas fameux, parce que le mot fameux veut dire quelqu'un de célèbre. Alors qu'en grec, le mot traduit ici par lui second par fameux, c'est pas le mot fameux. Mais en grec, c'est le mot épicémos. Épicémos, ça ne veut pas dire fameux comme tel. Épicémos veut dire quelque chose qu'on a marqué. C'est-à-dire quelque chose sur laquelle on a mis une marque. Or, dans l'ancien temps avant Jésus, les Romains, lorsqu'ils attrapaient les gens que eux, les Romains, appelaient prisonniers, les Romains leur marquaient, prenaient une barre de fer rougie au feu
et les mettait les marques sur le front. Il mettait des marques sur le front. Pendant la période de Jésus, les Romains avaient ajouté, au lieu de mettre les marques sur le front seulement, ils mettaient aussi sur les mains et sur les pieds. Donc, si on reformule correct, on traduit correctement la phrase, on ne dira pas un prisonnier fameux, non. Un prisonnier qui avait une marque qui se faisait remarquer. Barabbas. Donc, il avait une cicatrice qui montrait vraiment que c'était un prisonnier. Le premier élément. Le deuxième élément qui a trompé les gens, c'est la traduction encore. On a traduit quelque chose. Si on lit tous les Matthieu, Marc, Luc, Jean, a appelé Barabbas brigand. On dit que c'est un brigand. Alors, c'est faux. Les lui, c'est qu'on nous a mis en erreur. En grec, le mot qu'on a traduit, que les quatre évangélistes ont utilisé, que lui, c'est qu'on traduit par brigand, c'est pas brigand. En grec, c'est le mot lestès. Or, lestès ne veut pas dire brigand comme criminel, comme tel. Non. Lestès, c'est le nom que les Romains donnaient à toutes les personnes qui faisaient la résistance à l'armée romaine. C'est-à-dire, les personnes qui ne voulaient pas être colonisées par l'armée romaine, les Romains les appelaient lestès, comme pour dire des rebelles. Ce n'étaient pas des brigands, des criminels qui tuaient les gens, non. C'est comme aujourd'hui dans le monde, en Afrique, on parle des combattants, on parle des résistants. C'était des résistants, ce n'étaient pas des brigands. Là, déjà, nos traductions françaises et autres nous ont mis en erreur. Barabbas, ce n'était pas un brigand, c'était un bon monsieur. Ce qui est curieux encore, lorsqu'on lit les évangiles en grec, on nous fait comprendre, les évangiles nous font comprendre que Barabbas faisait partie des disciples de Jésus, de la foule qui suivait Jésus. Il était là, Barabbas. Mais la seule différence, c'est que lui, Barabbas, comme la prophétie disait que le Messie devait libérer le peuple juif sous la domination romaine, comme l'avait prophétisé Zacharie dans Luc 1, verset 60 jusqu'à la fin. C'était la prophétie. Mais eux qui soutenaient cette vision-là, qui voulaient être libérés de l'esclavage des Romains, en voyant ce Jésus qui ne combattait pas les Romains, alors ils étaient donc obligés de mener la résistance violemment, physiquement. Et en Israël, il y avait plusieurs groupes de personnes qui jouait ce rôle de résistant. Et même parmi les 12 disciples de Jésus, il y en a 3 qui faisaient partie de ce mouvement des résistants-là. Il y avait l'apôtre Pierre, il faisait partie de ce mouvement. Il y avait un Simon qu'on appelait le Zélote. Le mot Zélote, c'était le nom avec lequel on nommait ces résistants. Et il y avait encore le bon traître, Judas Iscariote, qui faisait aussi partie de cette mouvance des résistants. Alors, comment Barabbas... Donc, on voit déjà dans la lignée que Barabbas était un bon disciple chrétien. Bon, on va dire aujourd'hui un bon chrétien, mais qui agissait contrairement à la vision du maître. Alors, on va voir que dans Matthieu toujours 27, si on considère cette fois-ci, le verset 17. Dans le verset 17, il y a une erreur de traduction également dans nos versets. Lorsqu'on lit le verset 17, il nous dit ceci. Matthieu 27, 17. On dit un élément. Non, commençons par le verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, après le mot fameux, dans nos vies, il y a une virgule. Après, on dit nommé Barabbas. Or, en grec, après le mot nommé, avant le mot nommé Barabbas, avant le mot Barabbas, le nom Barabbas, il y a un mot au milieu là qui n'a pas été traduit. Entre nommé et Barabbas, il y a un mot au milieu qu'on n'a pas traduit. Et le mot au milieu qui n'a pas été traduit, en grec, on a dit fameux, virgule, nommé Yehoshua Barabbas. Donc, il s'appelait Jésus. Comme Jésus. Il s'appelait Jésus. Donc son nom, c'était Jésus Barabbas. Alors, toujours, la suite nous dit quoi? La suite va continuer.
On va encore, il y a encore un mot qui ne sera pas traduit. Au verset 17, on dit, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Or, après le mot, je vous relâche, Barabbas, donc avant, après le mot relâche, il y a un mot là-bas qui n'a pas été traduit. C'est le mot torn. Or, le mot torn en grec, ça veut dire l'article le. Donc, si on reformule bien, on traduit bien. Pilate parlait bien, il était précis. La phrase nous dira ceci. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Donc, Pilate se retrouve devant deux Jésus. Un Jésus qu'on appelle Barabbas et un Jésus qu'on appelle le Christ. Or, Barabbas, ça veut dire fils d'un père. Mais Jésus-Christ était le fils du père. Déjà en français ou dans n'importe quelle langue, celui qui dit le fils d'un père, il y a une incertitude. On se demande s'il était véritablement, il a un père, mais celui qui dit le fils du père, il y a une précision que ce fils-là a un père. Donc Pilate s'est parfaitement retrouvé devant deux Jésus qui sont les fils des pères. Un Jésus Barabbas et un Jésus dit le Christ. Alors, ces deux réalités conforment avec la prophétie de ce qui s'est passé. On a dit que celui qui favorise une personne et qui abaisse une personne, il s'appelle Victor Orban, qui veut dire un serviteur vainqueur. Mais celui qu'on individu qu'on appelle Pilate, il avait un autre nom. On l'appelait Ponce Pilate. Et lorsqu'on verra la signification de Ponce et de Pilate, ça nous donne la même signification que le nom Victor Orban, qui veut dire serviteur vainqueur. Parce que Pilate, de même que Victor Orban a favorisé la multitude pour permettre que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne, de même aussi Pilate. Qu'est-ce que Pilate a fait? Pilate a favorisé la majorité, le peuple, pour pouvoir permettre à ce que un Jésus Barabbas soit relâché pour intégrer le peuple. Mais Victor Orban, en favorisant l'Ukraine à adhérer à l'Union européenne, il a défavorisé quelqu'un, la Russie. Il a défavorisé quelqu'un. Or, nous avons dit que le mot Russie veut dire rouge. Mais ce qui est curieux, Pilate aussi, en favorisant un autre Jésus Barabbas, il a défavorisé un autre Jésus dit le Christ. Mais ce qui est curieux, le Jésus qu'on dit être le Christ, dans les prophéties, on l'appelle l'homme à la couleur rouge, qui est traduit en hébreu par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voyons qu'il y a une parfaite concordance entre ce qui vient de se passer en décembre 2023 et ce qui s'était passé depuis l'an 30 à l'époque de Jésus, par rapport à ces deux réalités. Et dans Jean 18, le verset 33 au verset 35, qui a aussi été mal traduit dans nos Bibles, Pilate va poser la question à Jésus. Il dit, es-tu le roi des Juifs? Ça se limite là dans nos Bibles. Mais après, après la question vient, Pilate va répéter. Après avoir dit, es-tu le roi des Juifs? La succès, il y a une phrase qui n'a pas été traduite. Il dit, es-tu leur chef? Et le grec dit que leur chef là a été posé pas pour les Juifs, mais pour les trois prisonniers qui étaient là. Parce qu'au total, ils étaient quatre prisonniers. Il y avait les deux Jésus et les autres prisonniers qui seront crucifiés avec Jésus. Ils étaient quatre au total. Alors, pour dire que nous devions faire attention avec la prophétie biblique. Pilate nous prophétisait Victor Orban. La majorité
du peuple, la foule. C'est, la Bible dit, c'est un ensemble de gens. C'est une assemblée qui était réunie pour décider du vote de Barabbas. Or, Victor Urban a favorisé une assemblée qui est l'Union européenne. Donc, la majorité du peuple hébreu prophétisait l'actuelle l'Union européenne. Et Barabbas nous prophétise l'Ukraine. Parce que l'objectif du choix entre Jésus, le Christ et Jésus Barabbas, qui on va relâcher? Parce que le relâchement veut dire, comme disait le peuple, celui qui devait relâcher, c'est celui-là qui devrait être, faire partie du peuple, de la majorité. De même que l'Ukraine a adhéré, fait désormais partie de la majorité de l'Union européenne, de même aussi en relâchant Pilate. Pilate, plutôt Barabbas. Barabbas a intégré une majorité, a intégré un nouveau peuple. Le peuple hébreu. Voilà pourquoi, concernant 2024, cette première partie, le bonus de 2024, nous disons, faites attention avec l'année 2024. C'est ici que nous arrêtons cette première partie. Et demain, nous allons poursuivre avec la deuxième partie où nous allons encore rentrer dans la profondeur de notre bonus sur les réalités de 2024. Alors, dites à vos pasteurs qui sont des aveugles, dites-leur d'aller chercher Dieu sur la montagne. Que la nuit du 31, qu'on ne vous amène pas des slogans. Dis à l'homme de Dieu qu'il aille à la montagne, qu'il cherche la face de Dieu pour vous ramener le vrai, ainsi dit l'Éternel, concernant 2024. Qu'on ne vous amène pas des slogans. Sinon, et les slogans, et vous, vous serez à la merci du gouvernement de fer et de la main de fer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et dites à vos prophètes de se taire. Dites-leur de se taire. On n'a pas besoin qu'ils viennent nous parler, qu'ils se taisent. Parce qu'à force de parler, ils prophétisent trop de mensonges. Comme c'était annoncé, comme je vous avais dit, qu'il paraît que les élections en RDC n'allaient pas avoir lieu. Dieu a dit, vous avez vu tous ces grands hommes de Dieu là qui ont parlé. Moi, Dieu m'a dit, j'ai vu Jésus venir me voir, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Moi, je vous avais dit, il y aura élection. Les élections sont passées. Alors, maintenant, tous ces grands hommes qui ont parlé là, quel est le Jésus? Il faut leur demander, quel est le Jésus qui était venu leur voir pour leur dire de ne pas avoir élection. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, méditez encore sur la parole de Dieu. Nous allons nous retrouver à la prochaine. À bientôt.